aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés du moment. Mes produits terminés. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même un petit peu. Donc je vais commencer par... J'ai tout rangé par catégorie. Alors j'ai fini un tube de colle cream d'Avène. La luminosité est tellement violente. Bon, colle cream d'Avène, je pense que vous la connaissez. Je la mettais sur mes pieds parce qu'ils sont secs comme le désert du Sahara. C'est une horreur. Ça craquelle, c'est affreux. Alors j'aime pas du tout l'odeur de la colle cream d'Avène. Mais l'efficacité est juste dingue. Au bout de 2 jours déjà les pieds avaient une autre tronche. Et puis par contre dès que vous l'arrêtez bref. Donc oui, j'ai la racheté. J'ai fini, donc qui était dans mon projet Ten Pan. Enfin j'ai fini, je jette plutôt. Le gel crème désaltérant intense peau déshydratée de chez Clinique. Donc vous avez le All About Eyes version riche. Et puis vous avez le gel. Voilà. Donc je le jette parce que ben je trouve qu'il pue. Voilà. Il n'en reste pas non plus des tonnes. Puis celui-ci est beaucoup moins cher que le All About Eyes. Je sais pas. J'ai un doute quand même. Voilà. C'est quand même un truc que vous mettez sur les yeux. Ça aurait été un truc que je mettrais sur les mains. J'aurais dit, bon, si j'ai 3 petits boutons, je vais pas pleurer. Mais là, sur les yeux, je préfère. Ensuite, j'ai terminé... une coloration semi-permanente, donc c'est la couleur que vous voyez là, voilà, il y a un petit mélange. Puis c'est surtout que là, il faut que je la refasse, voilà, ce serait plutôt sur cette mèche-là. Donc de chez La Richer Direction, donc c'est la cerise. Donc ça se présente dans un petit pot comme ça, je commande ça sur Amazon. La couleur est encore dans le pot. J'adore cette couleur. Ça sent la peinture. Ça sent la peinture, donc déjà ça agresse pas du tout le nez, l'odeur quoi, ça sent la peinture. Ça coûte 7 euros environ, hein, environ, c'est voilà, un petit peu moins, ça dépend. Donc ça coûte 7 euros environ sur Amazon. Avec ça je fais, sachant que moi je fais que la moitié, avec ça j'en ai fait 3. Donc 7 euros, 3 couleurs, ça tient 2 semaines et demie. Vous tenez 1 mois et demi avec ça, alors qu'une couleur du supermarché, ça tient ok un peu plus longtemps. Mais bon, si vous faites toute la chevelure, vous en avez qu'une. Et puis surtout, il y a certaines fois, si vous avez les cheveux beaucoup plus longs, il faut 2 couleurs. À 6, 7, 8, 9, 10, 15 euros la couleur, ça fait cher. Que là, je trouve que c'est vachement rentable. Ça abîme moins les cheveux. Et puis c'est surtout que voilà, vous ouvrez le pot, vous prenez le produit, vous mettez sur les cheveux, basta, il n'y a pas de mélange à faire, ça sent rien. J'aime énormément, j'ai déjà racheté le pot, je l'attends, il arrive. Ensuite j'ai terminé 2 shampoings secs, donc j'ai terminé le Brit que j'ai racheté, je vérifiais que j'avais racheté. C'est mon préféré, vous le savez, et j'ai terminé le blush, donc c'est le floral, qui sent aussi très bon, qui est très très bien. Et que je pense racheter aussi. Voilà, je ne l'ai pas racheté. Donc, je pense que lui aussi, je vais le racheter. J'aime beaucoup les shampoings secs. J'ai terminé le déodorant Narta, donc Fraîcheur Cologne. Donc, c'est celui qui sent l'eau de Cologne. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'il rafraîchit vraiment et tout. Mais voilà. J'aime énormément. Je l'ai déjà racheté. C'est son job de... dentifrice, j'allais dire. Son job de déo. Ensuite, j'ai terminé 2 démaquillants. Donc, j'ai terminé l'eau démaquillante micellaire peau et yeux sensibles à l'extrait de concombre et à la vitamine E. Rien que ça. De chez Monoprix. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Il coûte, celui-là, il coûte 3 ou 4 euros, je crois. Et bon, l'odeur, par contre, j'aime moins. Mais voilà, il fait son taf. Il démaquille très bien le visage. Par contre, si... Voilà. Pardon. Par contre, les yeux waterproof, le rouge à lèvres et tout, vous pouvez oublier. Hein. Mais tout ce qui est visage, de toute façon, pour les yeux, moi j'utilise toujours autre chose. Mais pour le visage, il est parfait. Et puis surtout pour enlever la pellicule, l'éventuelle pellicule grasse
qu'un démaquillant biphasé pourrait laisser. Donc ensuite, donc oui, je l'ai racheté déjà, oui, je l'ai racheté. J'ai terminé le cils des masques démaquillant aux yeux. Bon, de toute façon, tout le monde le connaît. Ne maquille en yeux, deux en un. Tout maquillage, même waterproof. Voilà. Donc le cils des masques. Qui est très très bien. Voilà. Je rejoins absolument tous les avis. Tous les avis qu'il y a dessus. Il est très très bien. Ensuite, j'ai terminé trois produits que j'ai utilisés pour faire de la mousse dans le bain. Parce que on aime bien la mousse dans le bain avec ma fille. Donc j'ai terminé de chez Nocibé. Donc c'est des petites collections comme ça. Il y a trois produits dans les kits. Il y a un bain moussant, un lait pour le corps et un gel douche. Donc on a terminé les bains moussants. Donc on a celui au macaron framboise. Donc il y a encore des bulles dessus. Celui-ci. Pardon, j'ai loqué. Oh, c'est un peu moins bon maintenant, mais je sais que celui-ci sentait très très bon. Les gâteaux. Par contre, ça mousse pas beaucoup, je trouve. Et on a terminé le même en chocolat blanc. Mais voilà, je trouve que ça mousse pas beaucoup. Par contre, celui-là, sent vraiment le chocolat. J'avais acheté ça à pas grand-chose, je crois, 2,80€. C'était en solde. Et mais voilà, il n'y a pas beaucoup de mousse, quoi. Et ensuite, j'ai terminé un gel douche framboise grenade. Donc, on a utilisé aussi pour faire des bulles. Miss Europe, je crois que vous trouvez ça chez Jiffy. Moi, je l'avais eu dans le swap. Swap une seule couleur. Et il sentait super bon. Et par contre, il faisait de la très bonne mousse. C'est pas un bain moussant, mais il faisait de la bonne mousse quand même. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Alors, il est plein de calcaire. Mais bon, j'ai terminé quand même. Le vanille gourmande, le gel douche, la vanille gourmande de chez The Body Shop. Donc, c'est une édition de Noël qui date de quelques temps maintenant. Qui sent très très bon, mais je me suis vite lassée en fait. J'ai eu du mal à le terminer. Pourtant, il sent méga bon. Il sent vraiment la vanille. Il sent les glaces, la vanille. Je sais pas. Et j'en ai un autre en plus. Mais bon. Je ne rachèterai pas, même s'il ressort. Ensuite, j'ai terminé le douche gommage au sucre de chez Cottage au caramel. Donc, c'est vraiment la version avec le sucre dedans. Vous avez la version douche normale et vous avez la version gommante. Et celui-ci, c'est mon préféré. C'est celui à la violette de chez Cottage. Et après, vous avez le caramel. Donc oui, je l'ai déjà racheté. J'en ai un stock pas possible parce que chez moi, les caramels et violettes gommants, je ne les trouve pas. Ensuite, j'ai terminé un gommage corps remodelant de chez Alexis Cosmétiques que j'ai trouvé chez Tati, que j'ai beaucoup apprécié, qui sentait très très bon. Qu'est-ce qu'il sentait déjà? Voilà, cannelle, ça sent la cannelle. Alors, je suis pas très cannelle, mais il était génial. Bon, là, c'est bête, je l'ai nettoyé le pot parce que je voudrais le... Ça me fait un pot à... Quand je vide des shampoings, vous savez que je dépote les shampoings et tout. Mais il est génial celui-ci, il a des grains. Par contre, il a des grains énormes, quoi. Il y a marqué tout type de peau. Voilà, pour les peaux sensibles, je m'avancerai pas trop, mais celui-ci, il dégomme. Hein. Et ensuite, c'est que des produits pour les cheveux. J'ai terminé. Donc c'est un truc qui était nouveau quand je l'ai acheté. Maintenant, c'est un peu moins nouveau. Donc c'est du petit olivier, c'est un shampoing soin à l'extrait de myrte argile rose. Pour cheveux gras. Donc c'est un shampoing soin. Donc ils disent que c'est un shampoing soin. Voilà. Censé soigner en même temps. Par contre, il y a quand même un après-shampoing dans la gamme. Qui sentait très très bon, qui était très bien. Après moi, les shampoings, j'avoue que ça m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse le moins. Ce qui est le plus intéressant, moi je trouve que c'est les après-shampoings. Après, voilà, mais je pourrais le racheter. Ensuite, j'ai terminé enfin, ça doit faire un moment que je l'ai acheté à Stokomanie. J'ai été qu'une fois à Stokomanie dans ma vie, ça doit faire au moins 2 ans. Donc, de chez Keranov, le shampoing réparation au kérogène actif, de chez le laboratoire Eugène Perma. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais fini parce que déjà, ils sentaient terriblement bon. Et puis en plus, il est très très efficace. Donc, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc je pourrais le racheter si je le trouvais.
Ensuite, je suis très déçue de l'avoir fini. C'est le truc que j'avais acheté chez Nose. Donc j'avais payé 99 centimes. Il y a 400 millilitres, donc il est énorme. Celui-là, il fait 250 millilitres. Shampoing de taille normale, disons. Donc c'est le Super Silk. Donc c'est un conditionneur. Formule avec protéines de soie, nourrit et protège les cheveux colorés. Alors celui-ci, c'était une tuerie intergalactique. Déjà, j'adorais l'odeur. Et celui-là, il est vite parti. Honnêtement, il est très, 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 très vite parti. Cet après-shampoing est dingue. Je ne sais pas du tout où le trouver, à part chez... Pour le coup, chez Stokomani. Après, ça se trouve, c'était... comme c'est des arrivages un petit peu... C'est aléatoire, quoi, chez Stokomani. Donc, je ne sais pas si je pourrais le retrouver. Mais en tout cas, il est génial, celui-ci. Ensuite, j'ai terminé un shampoing. Attendez, j'arrive. Et deux après-shampoings de la gamme O3 Huile que j'adore. Là. Donc, le shampoing, je vais le racheter. C'est le shampoing fortifiant Nutri Repair O3 Huile, olive, avocat et karité. J'adore. Rien que l'odeur déjà. Mais après, moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'après-shampoing et le masque que je viens d'acheter. Là. Donc j'en ai terminé deux, j'en ai racheté un, j'adore, voilà, cette gamme là c'est vraiment celle que je préfère, je peux plus m'en passer. L'après shampoing du moins je m'en passe plus. Voilà donc pour mes produits terminés. J'espère que j'ai pas été trop vite, je pense que oui, mais bon après on va pas non plus passer 3 heures sur un produit. Les filles, je suis fatiguée. Mais bon, c'est la vie. Je vais vous faire des bisous. Et puis je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.